7h, heures, 10h heures sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite. Aujourd'hui, vous, vous voulez nous parler de... de ça n'a rien à voir. Il paraît qu'on a des nouvelles non. de Nordal le Landais. Et, et oui, nous pensions l'avoir enfermé à double tour et avoir jeté les clés. Nous le pensions astreint à une vie des plus sobres derrière les barreaux. Nous le pensions en train de pourrir entre les murs d'une cellule miteuse, avec pour seule distraction des repas fades et des promenades sous haute surveillance. En somme, nous pensions que Nordal le Landais menait enfin la vie qu'il méritait, c'est-à-dire une vie misérable, triste, vaine et soumise au temps long qui passe et ne laisse guère de choix que de réfléchir éternellement au visage de ses victimes. Vous connaissez tous à peu près les exploits de cet énergumène en 2008 lors d'un mariage... Il enlève et assassine la jeune Maëlys, 8 ans, qu'il massacre à coups de poing avant d'enterrer son cadavre dans la forêt. Et en 2017, il prend le jeune euh, caporal Arthur Noyer en stop à la sortie d'une discothèque de Chambéry, puis l'assassine euh, à la suite de ce que Nordal a appelé une bagarre. C'est cet assassinat qui amènera les enquêteurs à joindre les deux bouts, grâce notamment à la téléphonie et à arrêter Nordal. Et enfin, pour ajouter à son tableau de chasse, il sera euh, tard également découvert qu'il avait déjà mis en action ses penchants pédophiles avérés en agressant sexuellement entre autres sa petite cousine de 6 ans à l'époque ainsi que sa filleule et une autre de ses cousines âgées alors de 14 ans. Nordal a tout du prédateur, c'est un tueur en série d'un sang sang-froid extraordinaire, c'est un mythomane avéré au long passé de troubles du comportement qui avait déjà d'ailleurs euh, conduit l'armée à le réformer de son poste de caporal maître-chien en 2005. Je ne parle même pas des nombreuses affaires de disparition et meurtres non élucidés dans la région Rhône-Alpes dont les enquêtes ont été réouvertes, tant de nombreux éléments euh, très troublants pourraient les, les relier à Nordal le Landais. Bref. Le genre de personne qu'on voudrait voir écartée à tout jamais de la société. Euh, mais il se trouve qu'en France, eh bien, le système judiciaire nous garantit rarement ce privilège. Puisque malgré la longue liste d'horreurs commises par Nordal-Lelandais, sa perpétuité n'a rien de certain. Bien au contraire, en France, le cumul des peines n'existe pas. Ce qui nous mène à cette vérité. nordal Landais a été condamné à... 20 ans de prison pour le meurtre du caporal Noyer, puis à la perpétuité pour le meurtre de la jeune Maëlys. Mais assorti à une période de sûreté de 22 ans, ce qui concrètement veut dire qu'il pourra prétendre à une liberté conditionnelle à partir de 2039, alors qu'il ne sera âgé que de 56 ans. Oui, en effet, vu comme ça, ça, ça fait froid dans le dos, Juliette, mais au moins, il sera bien puni le temps de son incarcération, non eh bien, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas euh, au bout de vos peines, mes chers amis, car à la surprise générale, nous avons appris vendredi la nouvelle fascinante et hallucinante. Euh, Nordal Lelandais vient d'être papa. Alors là, on s'y met, mais pardon, ai-je bien entendu On parle bien de Nordal Lelandais, on veut nous faire une blague, un canular, que se passe-t-il Mais non, vous ne rêvez pas. Nordal est amoureux et après une relation épistolaire de quelques mois avec sa douce promise, il a obtenu le droit à des visites conjugales dans le cadre de ce qu'on appelle les UVF, les unités de vie familiale. Alors ce sont des petits appartements aménagés à proximité de la prison et qui permettent pour une durée de 24 heures de maintenir le lien entre les détenus et leurs proches euh, dans la plus stricte. Intimité. Imaginez ça 24 heures dans un Airbnb à la cool euh, sans surveillance, ce qui a euh, conduit tout naturellement à des relations sexuelles non protégées et à la conception d'un nouveau-né. Et euh, vous vous tromperiez euh, si vous pensez que cette histoire hallucinante est exceptionnelle ou isolée pour Nordal Lelandais. Car en vérité, la vie affective et sexuelle surdéveloppée de notre maître chien préféré n'est qu'un secret de polichinelle au sein du système judiciaire. Et oui! Nordal est un tombeur, un hein. don Juan, un vrai coureur de jupons. Il a une vie sexuelle bien remplie et même sûrement mieux remplie que celle de certains honnêtes citoyens. Le 28 avril 2022, par exemple, il est surpris en train d'avoir une relation sexuelle avec une nouvelle visiteuse lors d'un par parloir. Ce qui veut dire, si je ne me, me trompe, que les parloirs ne sont eux non plus plus scrupuleusement surveillés. Bref, Nordal le Landais kiffe la vie autant qu'il peut. Il enchaîne les conquêtes. En fait, il n'a euh, rien à faire de particulier pour les attirer dans ses... Filet, puisque toutes les semaines, il reçoit des dizaines de lettres de femmes qui lui déclarent sa flamme euh, et pour certaines, même le demandent carrément en mariage. Euh, c'est une attirance sexuelle qu'on appelle, euh, je, je vous le dis comme ça en passant, hein, libristophilie, c'est-à-dire des personnes sexuellement attirées par des individus ayant commis euh, des crimes violents comme des viols ou des meurtres. Et d'ailleurs, petit aparté, pour vous assurer que nous vivons bien quand même dans un monde euh, pour le moins intéressant, eh bien sachez que libristophilie est désormais considérée par un certain nombre de personnes comme une identité sexuelle euh, comme une autre. Et oui, en 2023, un collectif d'artistes français a créé l'Internet nationale ibristophila pride voyez-vous ça dans le but de représenter les individus attirés sexuellement ou affectivement ou spirituellement par des criminels les ibristophiles ont même un drapeau à eux hein, une devise et même tenez-vous bien une journée internationale de la fierté ibristophile le 23 mai choisi le jour de la mort de bonnie and Clyde dieu que ce monde est fascinant oui c'est -ce le moins c'est le moins qu'on puisse dire Mais alors est-ce qu'on sait un peu plus euh, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les, le profil de ces femmes ibristophiles eh bien, figurez-vous que dans le Dauphiné, libéré, euh, bah, le Dauphiné libéré, ils avaient recueilli l'année dernière le témoignage d'une certaine Elisabeth qui racontait comment elle aussi avait entretenu une relation avec Nordal pendant deux ans avant de découvrir, je cite, son vrai visage, comme si un double assassinat n'avait euh, pas été suffisant pour l'éclairer. Enfin, écoutons un extrait de ce témoignage. Mais Écoutez, en le côtoyant, j'ai fait euh, quasiment euh, 200 heures de parloir avec lui. J'ai pu bénéficier d'un parloir, parloir familial avec lui, d'un UVF de 24 heures avec lui, et je me suis rendu compte, quand en, en le côtoyant un peu plus intimement, avec un peu plus de proximité, euh, que en fait, euh, voilà, je m'étais certainement trompée euh, sur la personne euh, qu'il a, qu a quand même un peu. Um, un rapport à la sexualité qui est quand même un peu dérangeant, euh, qui est violent. Voilà. Est bon, il faut savoir qu'Elisabeth, hein, qui explique travailler dans le social euh, et être naturellement ouverte aux autres et ne juger personne, n'en était pas à son coup d'essai puisqu'elle avait déjà été mariée dans le passé à un autre détenu incarcéré à perpétuité, malheureusement suite à la libération conditionnelle de ce dernier. Le jeune couple, se trouvant peut-être un peu moins de points communs que prévu, ont fini par divorcer et euh, c'est là que, un peu plus tard, Elisabeth, très touchée par la possible solitude et le sentiment d'isolement qu'il devait, euh, qu devait ressentir, décide de contacter Nordal, mais explique-t-elle, euh, avec pour seule optique le soutien épistolaire, n'ayant pas vraiment envie de revivre une relation de parloir. Raté, c'était sans compter sur le charme fou, l'intelligence, l'humour et la personnalité si attachante de notre Nordal national qui finit par la, la faire craquer et l'envoûter totalement, on la comprend. Euh, et donc euh, l'exil euh, se poursuit, hein, euh, euh, puis finit par se dégrader à l'été 2021 après la condamnation, la première condamnation de Nordal, après laquelle Elisabeth le décrit comme l'ombre de lui-même, abattu et surtout vexé euh, d'avoir pris autant de temps de prison, lui qui s'attendait plutôt à une peine aux alentours de 8 à 10 ans. Bon alors Elisabeth explique alors que Nordal devient jaloux, possessif, exigeant et même inquisiteur sur sa vie à l'extérieur, ainsi un coup de manipulation et de chantage. Nordal obtient finalement d'Elisabeth absolument tout ce qu'il veut et elle avouera euh, lui avoir fait parvenir pas moins de deux smartphones du rhum et même carrément de la cocaïne qu'elle cachait sur elle, histoire de lui rendre la vie plus douce. À sa demande, elle se fera tatouer euh, Nordal en rune nordique sur le poignet. Elle rédigera aussi un testament à son bénéfice et empruntera euh, pas moins de 13 000 euros pour aider sa famille à payer l'avocat, pour l'habiller et pour exaucer tous ses petits souhaits, le couvrant ainsi de cadeaux en tout genre, ordinateur, Xbox, collection complète de Call of Duty. Et elle accède aussi, bien sûr, à toutes ses exigences. Sexuelle sous l'œil bienveillant euh, de l'autorité pénitentiaire, Nordal, le landais et Elisabeth s'envoient en, en l'air en toute tranquillité jusqu'au 3 et 4 décembre lorsque, euh, lors d'un paloir, donc en unité de vie familiale, hein, donc les fameuses 24 heures complètes en intimité totale avec Nordal, où Elisabeth parle pour rester sauf d'une scène euh, de sexualité malsaine et très violente. Hein, C'est étonnant en venant de Nord Nordal en précisant qu'il était au cours de cette rencontre. Sous l'effet de l'alcool et de la cocaïne qu'elle lui avait elle-même amenée. Bref, euh, drogue, sexe, alcool, jeux vidéo. Nordal Lelandais mène une vie de pacha. J'ai envie de dire, il vit même mieux que beaucoup de gens. Euh, je ne sais pas vraiment ce qui lui manque. Une masseuse à domicile, peut-être des livraisons Uber Eats, une vue sur la mer. C'est proprement hallucinant. Nous qui euh, le pensions en train de croupir, voilà qu'on le retrouve à multiplier les conquêtes, se faire couvrir de cadeaux, faire la teuf et, pire, procréer. Plusieurs questions se posent alors au commun des mortels. Au nom de quel droit Norda Lelandais bénéficie-t-il du privilège des visites conjugales Pourquoi ces visites de parloir ne sont-elles pas surveillées Comment imaginer que ces visiteuses ne soient pas fouillées Comment peut-on laisser cet homme dont on connaît tout le caractère aujourd'hui, malsain, manipulateur, euh, continuer à faire du mal aujourd'hui, le laisser continuer à extorquer, manipuler, briser des femmes faibles et dénuées de sens commun sans penser un instant à leur protection Comment imaginer euh, qu'on puisse laisser un prédateur sexuel, meurtrier, pédophile et ultra-violent seul avec une femme, encore pire, 24 heures sans surveillance, avec tout loisir de d'agresser encore et surtout Surtout, comment imaginer qu'on laisse Nordal Le Landais donner la vie Le caporal noyé, et Maëlys ne pourront jamais la donner. Ils se pensaient, euh, les parents, en tout cas des, des victimes, se pensaient débarrassés de leurs bourreaux. On les retrouve aujourd'hui sidérés par la nouvelle. Euh, qui a pensé, ne serait-ce une seule seconde, à ce que ressentiraient ces gens en apprenant cette nouvelle Eh bien, pas Alain Jakubovic, en tout cas, avocat de Nordal le Landais, qui, pour justifier cette naissance, a proclamé que le droit à la paternité, au bonheur et à l'amour n'était, je cite, pas proscrit par le Code pénal. Ah, et eh bien voilà, nous voilà rassurés. Et, euh... et puis enfin, il me semble que c'est peut-être le plus important, qui a pensé à cet enfant, né d'un père tueur en série et d'une mère malade mentale qui a pensé à son avenir, au, point, euh, au poids de son existence. Dire, quel espoir, quelle vie pour cet enfant. Voilà, la, la, la France, sous couvert d'état de droit, devient le pays de toutes les dérives où l'on laisse les violeurs engendrer une descendance au lieu de les castrer, où l'on ne punit plus les tueurs, où l'on ne protège plus les victimes. C'est tout le délitement de notre société et de notre civilisation qui est représenté à travers cette naissance. Nous sommes proches du mur, car Nordal, lui, en vit éloigné. Merci Julienne Briens fait pour cette chronique euh, pas facile à défendre. En tout cas, Nordal lelandais a, a compris qu'il y avait un problème de natalité en France et donc il essaye de, de ah, repeupler oui. la France à, à, à sa manière. Mais oui, il a pris la vie, donc euh... il la rend. Ouais, c'est ouais, quelqu'un de ça. sympa. Il y a un cycle, c'est le cycle de la vie. Non, en tout cas, c'est terrible. Et puis vous nous avez a, appris ce, ce mot hybris", hybristophile. Alors oh, il faudrait voir euh, la racine du mot hybriste. Phil, c'est aimé. Ibristo, je, je ne sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, il y a toujours une fascination pour le mal et pour euh, ces serial killers il y a beaucoup de séries notamment oui, sur oui, Netflix, Netflix qui euh... les, les, les tueurs en série oui c'est en série <laughs> oui, oui, oui. Il y a des séries ça sur les tueurs facile. en série et le, oh, le, ouais, plus, nouveau, hein. le plus célèbre c'est Charles Manson évidemment où oui. on, là où on avait carrément des archives de, de fans on aurait dit un, un groupe de rock qui sortait faire un concert quoi c'était très très malsain de regarder regardez ça très particulier et c'est là qu'on découvrait un petit peu ce phénomène et euh, mais ça continue ça, ça se perpétue c'est difficilement explicable mais en tout cas c'est un fait oui alors même moi je vais au delà même au delà du de, de, juste des femmes qui sont attirées sexuellement. il y a une fascination pour le mal. c'est il y a une fascination mmh. pour, euh, ces, pour ces, ces, ces tueurs en série euh, qui deviennent des, véritablement des, le, le personnage principal de série. il y a damer je crois ouais. sur, oui, sur Dameur, netflix. Oui. Euh, puis il y a aussi oui, oui, euh, après je, je connais pas très bien les, les séries en question mais il y a, y a ce, un côté voyeurisme en tout cas du, du ouais. mal. Bon, les mauvais garçons ont toujours attiré certaines femmes mais enfin là on est au delà du mauvais oui, garçon oui, est, on est quand même euh, voilà c'est l'ordure euh, maximale quoi c est, c est, c est qui oui, tue des enfants qui Ce oui. C'est pas veut... le loupard non euh, voilà c'est alors... pas le bad boy entre C'est l'aspect ouais. la, dominateur il euh, y a le, le, le pouvoir en général est très attirant euh, en tout cas chez, chez beaucoup de femmes en tout cas mais aussi le pouvoir malsain en vis-à-vis des tueurs en série c'est un constat la Violence aussi, Et au-delà hein. du côté très malsain de ce pédocriminel qui va attirer certaines femmes, il y a aussi ça montre aussi, je trouve, cette histoire le laxisme plus général de nos prisons parce que ça me fait penser à une affaire qui vient de sortir aussi à Lyon. Un détenu qui était incarcéré pour des agressions sexuelles, lors de ses, euh, de ses sorties euh, accordées par le juge d'application des peines, a récidivé donc il a vu, donc on a un détenu incarcéré pour agression sexuelle qui a droit donc à, à des permissions de sortie durant lesquelles il va euh, récidiver et agresser sexuellement d'autres personnes, d'autres femmes. Voilà, ça montre <laughs> en règle générale, je trouve, le laxisme vraiment de nos prisons sur et, ce sujet. Et bien, ça sera la, la chronique de Juliette de, de jeudi prochain. Alors, merci. merci. <laughs> en tout cas, <laughs> ça, ça confirme qu'on est bien le lundi bleu. Hein, le, 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 le lundi bleu, le Blue Monday, oui. c'est le jour le plus déprimant de l'année. Bah, avec cette nouvelle-là, <laughs> c'est fait. Quoi. Bon, bon. Euh, merci Juliette pour ce, beau, pour ce beau lundi bleu. Et à jeudi prochain.